Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Hearts of Iron, avec donc la Chine nationaliste bien sûr. Et je vois que l'industrie c'est presque bon, dans 8 jours. Il y en a 7, donc ça va être pas mal, ça va me mettre à 245 je pense, un peu plus. Alors ici, j'attaque sur 3 fronts, je pense que... Bon, il y a déjà 2 unités au combat, bientôt 3 de plus. Donc je pense que ce petit débarquement va tourner court assez rapidement. Ici, j'aimerais bien que mes unités avancent. Évidemment, avec les problèmes de ravitaillement, c'est pas con, c'est pas simple. Ici. Ah merde, le cinquième corps, il est déjà complet. Il me faudrait un autre corps là. Celui-là, il n'est pas dispo. J'ai pas assez de corps, hein. Celui-là il est pas dispo. Bon, le cinquième, je vais le rattacher à l'armée qui est là. Qui sera la troisième armée. Non, c'est pas normal ça. La première armée. Sauf que la première armée, je vais lui enlever. Ah, chier. Non, faut que je ramène. Faut que je ramène une armée ou que j'en crée une autre. Ouais, celle-là, elle avance. Elle avance pas assez vite, hein. Je devrais la ramener en déploiement stratégique. Je serais bien tenté de créer une autre armée, tant pis. De toute façon, j'ai de plus en plus de corps, donc il va me falloir de plus en plus d'armées. Celle-là, je vais la mettre en déploiement stratégique. Ouais, je vais créer une armée pour ce cinquième corps ici. Armée que je vais attacher. Alors, j'ai plus trop de leaders, malheureusement. Je crois que je vais en piquer un bon quelque part. Celui-là, par exemple, il est 4. Il est au tout début de son niveau, donc... Autant utiliser celui-là. Important d'avoir un bon leader pour une armée. Bon, il n'a pas de caractéristiques, c'est ça qui est dommage. Mais bon, on s'en passera. Ok, le groupe d'armée est trop loin par contre. Je vais rapprocher le groupe d'armée aussi. Non, stratégique si possible. Et ce cinquième corps, bah, je vais le déployer. Il est plutôt le bienvenu. J'en mets 2 ici. Ça me perturbe de voir les flèches au lieu des... Merde, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ok, c'est pas grave, ça marche. J'en mets 2 ici. Enfin, un seul. Et j'en mets un à Shai Baza là. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça donne cet assaut? Il y a toujours 2 unités qui se battent. J'aimerais bien qu'il y en ait une troisième qui rentre en combat là. Sinon, c'est sûr que ça va être un peu dur. Même une quatrième, ça m'irait. Je vais peut-être lui faire un encerclement là. Pénalité d'enveloppement moins 20. Par contre, il n'a pas l'encerclement. Bon, il faudrait vraiment qu'il y ait d'autres unités qui rentrent en combat parce que là. Ah voilà, une troisième. Donc là, je pense qu'il va commencer à souffrir. Je vais pas trop m'en occuper, je pense que ça va se faire doucement, mais sûrement. Donc Calcutta va bientôt tomber. Je pense que je peux pas attaquer comme ça direct, il faut que j'attende que celle-là soit disponible. Ok. Et là, et donc il me manque toujours un corps.
J'ai ces deux-là qui ont plus d'unités à mon avis. Donc je vais les ramener ici. Donc il y a quand même beaucoup plus de bleu et de moins en moins de rouge. C'est plutôt la bonne nouvelle. La réorganisation commence à porter ses fruits. Tout à l'heure, il n'y avait que du rouge partout. Là, on commence à être un tout petit peu mieux quand même. Et je vais continuer en rattachant ça au 9e. Alors au 9e, il y aura celle-là, une, celle-là, deux, ces deux-là. Ok, et celle qui est en fuite ici. Pareil. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai créé un corps. Fais chier, c'est pas ce que je voulais faire. Je peux même pas le détruire. Bon, c'est pas grave. Neuvième, il n'y a plus de place. Je dois avoir une unité de trop. Ouais, c'est celle-là qui est en trop. C'est un peu chiant à cliquer. Voilà. Bon, le 9e, il a toutes ses unités à portée, sauf celle-là, évidemment, qui va mettre un peu de temps à arriver. Alors, 11e, on va lui donner les suivantes, c'est-à-dire celle-là, les deux, je me rappelle plus. Ouais, les deux. Alors déjà, je vais détacher la dernière qui traîne, là. Et ensuite, je vais lui donner tout ça. 11e. 11e. Merde. 11e. 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 Et là, j'ai un petit problème, c'est que l'armée pour l'instant est trop loin. Mais ça va pas durer, à mon avis. Putain, j'ai perdu Gonda. Évidemment que j'ai perdu Gonda. Je vais le détruire tout de suite, ce corps. Voilà. Ouais, je pense que cette armée, en faisant le mouvement sur Darjeeling, là, elle passera à distance. Enfin, j'espère. Non, toujours pas. Chier. C'est dommage, ça m'aurait fait une belle structure toute bleue. Ouais, c'est pas grave. Là, l'armée, je vais la reculer un peu. Ici, je peux avancer. Là, je peux avancer, mais je peux pas avancer puisque j'ai pas de ravitaillement. Alors, ce combat-là, vite fait. Ah bah voilà, là ça va passer maintenant. Ok. Il y a 4 unités qui se battent contre une. 5 unités maintenant. Donc voilà, ça fait un peu la différence. Baratok, c'est gagné. Bon, ça n'a pas résolu pour autant mes problèmes de ravitaillement. Ça les a peut-être diminués quand même, je pense. Enfin, j'espère que je fais pas tout ça pour rien. Mais ça les a pas résolus. Bon, je crois que je vais refaire une série de ravitaillements, d'infrastructures. Ah, voilà, ça c'est bon. Donc, je vais essayer de lui couper la route par là. J'espère que ça mettra fin à ce débarquement ridicule. Alors, ma capacité industrielle. Donc, je continue à la déployer là où j'ai des ressources. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. À mon avis, ça sert à rien, mais bon. Ça m'étonnerait qu'il y ait un bonus quelconque. Alors bizarrement, j'en ai deux, je crois que les deux, je les avais lancés un peu en retard. Non, il y en a trois encore arrivés, donc peut-être qu'elles sont un peu plus longues. Elles arrivent à quelle date? Le 12 janvier. C'est quoi cette blague? Elle est censée arriver le 8, on est déjà le 9. Mystère, mystère, ça, un joli bug là. Ou alors j'ai pas bien lu, c'est peut-être ça aussi, souvent je vois des bugs qui n'existent pas.
Celle-là, elle arrive le 11, par contre. Merde. Ah bah non, ils insistent là. Allez, chieurs. Ils insistent lourdement en fait. Alors, encore une capacité industrielle. Ça va mettre, je pense, aux alentours de 300, de 245. Alors, j'ai diminué la vitesse. Non, si, j'ai diminué un peu la vitesse. Et je vais de ce pas relancer cette industrie. Avec un bonus de 41% en coût et en durée de construction. Grâce à toute l'infrastructure que j'ai pu faire. Ok. Tiens, prochaine infrastructure, c'est Sogxian. Sogxian, un petit peu de géographie. Sogxian, c'est ici. Ouais, c'est un peu au milieu de nulle part. Bon, là on est un peu en statu quo. Je pense que je vais pouvoir attaquer. Alors, ce que je vais faire, je vais m'avancer ici. Et j'attaquerai cette province sur trois fronts. Ils vont être durs à déloger les Français, j'imagine. Là, je vais pouvoir attaquer par contre. Ouais, je suis pas terrible quand même. Je teste, mais c'est très mauvais. Hein. Ouais, c'est très mauvais, mais il a pas grand-chose non plus. Je le sens pas quand même. Donc pour l'instant, je vais arrêter. Je préférerais faire un encerclement. Essayer de prendre cette province. Du calme là, j'ai rien suivi. J'ai rien vu là. C'est quoi la bataille que j'ai perdue? Bon là c'est pareil, il débarque avec une troupe de Marines, je trouve ça pas très intelligent. J'ai perdu une bataille tout à l'heure avec une province qui me disait rien du tout, Alipore. C'est lui qui attaque là? Sérieux, il fait ça? Je vais essayer de contre-attaquer, mais bon. Ok, là il va se retrouver très vite avec un gros souci. Ah, surtout que j'ai déjà gagné en fait. Alors là, ça m'embête. J'aimerais bien que cette province-là ne tombe pas. Et je crois que je peux pas faire grand-chose pour empêcher qu'elle tombe, en fait. Ah, c'est bon, j'ai gagné. Donc j'arrête tout de suite cette attaque qui sert à rien. C'était juste pour l'empêcher pour contre-attaquer. Bon, bah maintenant que j'ai ramené des troupes là, par contre, je vais pouvoir y aller. C'est pas terrible, je vais mettre tout ce que j'ai. Ouais, celle-là, elle n'a pas de ravitaillement.
Bon, celle-là, elle arrive. Mais celles-là, elles vont avancer. En essayant de rester à peu près groupé. Je vais avancer le corps avec. Mais la bonne nouvelle, c'est que... Ah non, il y a encore cette armée-là qui n'est pas à bonne distance. Je vais essayer d'avancer encore d'une province. On verra si ça suffit. Alors j'ai gagné Jabalpur, c'est normal. Lucknow, c'est normal. Gunung Tapis. J'avoue que j'ai aucune idée où est Gunung Tapis. Ouais, c'est déjà perdu. Voilà, un petit problème d'industrie. Honnêtement, je suis pas terrible en industrie. Je croyais que je serais plutôt au-dessus des 240. Bah, ça prend un peu de temps pour construire les industries quand on les installe. Donc les 7 industries que j'ai installées, il faut que je sois un peu patient. Alors j'aimerais bien l'encercler. Alors mes attaques ici, pas gagné. Hein. Pourtant tout le monde se bat. Mais c'est du blindé. Je vais peut-être essayer de ramener celle-là. Histoire d'ouvrir un troisième front. D'ailleurs, je vais arrêter d'attaquer. Je vais attendre que le troisième front soit là. Ok. Là par contre, ça devient bon. Ça devient même très très bon. Y a quoi en face? Ah, c'est l'unité blindée là qui est complètement sans organisation. Ok, là c'est réglé. Donc là, je vais pas bouger évidemment, je reste là. Donc là, le fort est fait. Donc je pense que déjà, il va un peu moins m'attaquer. Donc ça change pas tout un fort, mais ça me donne quand même un bonus de défense. Il n'est pas encore construit, il est en cours de construction. J'ai un deuxième niveau qui est en cours. Ici, il n'est pas encore fait, hein, malheureusement. Mais je pense que comme il n'est pas prioritaire, en fait, il doit être très loin d'être fait. Je sais même pas où il est. Il est là peut-être. Ouais, Suchon. Il n'est pas prioritaire. Je vais le mettre en prioritaire parce que la dernière fois, l'offensive japonaise m'avait carrément tué. J'avais vraiment rien pu faire pour me défendre, donc méfiance. Ok, je suis à 239 d'industrie, j'approche des 240. Je pense que j'y serai quand tout sera fini. Eh merde, ils vont pas m'échapper là quand même. Ok, j'ai gagné Jessor. Du coup, cette province, je vais vraiment finir par l'encercler. Et je vais aussi encercler Calcutta. Voilà, c'est long d'arriver. Les temps de trajet sont très très longs. Alipore, c'est où? C'est là. Ah putain, là il va me passer, hein. Je sens qu'à un moment donné ça va passer. Ça va me mettre de mauvaise humeur. Je suis trop faible. Celle-là qui a bougé. Celle-là, je vais lui faire faire demi-tour. C'est quasiment celle qui a le plus d'organisation de tout le corps. Ah là, l'attaque, elle va servir à rien. C'est même dangereux d'attaquer comme ça. Je vais arrêter parce que je vais me retrouver sans. Et merde! Comme ça, c'est pas trop grave. J'avais des unités là sans corps. Faut que j'y pense d'ailleurs.
Merde, ils sont rapides par contre. Ils sont beaucoup plus rapides que moi à débarquer. Je crois qu'il va falloir qu'on se batte. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il faut que j'en profite. Et voilà, ça recommence sur Sunshine. Bon, j'espère que je tiendrai. Mes unités doivent être... Non, elles sont pas au maximum de réorganisation, ça fait plaisir. C'est parce qu'il n'y a plus d'infrastructure, donc évidemment, pas de réorganisation dans ces conditions. Affût et viseur de l'artillerie. Ok. Bon, ça va me coûter cher en réorganisation. En renforcement, pardon. Merde, il attaque mon unité qui va disparaître. Ça fait au moins 3 mois que je la vois là et que je me dis pourvu qu'il m'attaque pas, pourvu qu'il m'attaque pas. Et bah c'est fait. Et du coup il va disparaître, et voilà. Putain, elle a arrêté là 3 mois sans qu'il se passe rien. Du coup, faut que j'en refasse une autre. Pour que je tombe juste et que tous mes corps soient complets. Bon, là, c'est mauvais, hein. Je sais pas si ça va tenir. Faudrait quand même que je reprenne cette province, ce serait sympa. Et là, ça passe pas. Ah, j'ai gagné Suchon, donc je vais pas leur faire de cadeau. Ah, par contre, là, j'ai perdu, là. Et en plus, j'ai perdu mon unité qui avait pas mal d'organisation et venait d'arriver, donc elle s'est retrouvée chassée en même temps. Ok, là, j'ai tout détruit. Alors ces trois-là, ils ont aucun intérêt à être ici. Je vais les envoyer par ici. Ça va prendre du temps. Mais Alipor est tombé. Donc là, eux, j'attends qu'ils arrivent pour les attaquer sur trois fronts. D'accord, elle va bouger là. Là, je pourrais commencer mon attaque. J'ai trois fronts. Parce que ça va être dur de les déloger. Hein. Dans la montagne. Bon, ils sont pas très nombreux, heureusement. Je pense qu'on va y arriver. Bon là, je désespère un peu. Je crois que je peux arrêter d'ailleurs. Une nouvelle attaque sur Suchon, mais ils ont vraiment pas grand-chose. Ça passera jamais. Quand on voit la vitesse à laquelle il perd son organisation. Ça, c'est amélioration du ravitaillement, c'est plutôt pas mal. Kouchtia, oh là 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 là. Non, je pense que ça va tenir, j'ai quand même deux unités avec pas mal d'organisation. Ouais, bon, c'est un peu tendu, mais je pense que ça le fait. Bon, bah, je vais arrêter la vidéo ici. Je crois que certaines unités de Suchon vont aller à côté pour améliorer leur organisation parce que les infrastructures ayant été complètement détruites, je ne regagne pas d'organisation et du coup c'est vraiment pas bon. Donc je pense que celles-là elles vont rester à Kumopo un petit peu. Capacité de ravitaillement plus 20%, ça c'est cool.
Ok, les espions c'est toujours pas ça. Hein. Par contre les officiers c'est bon. Alors là il faut que je répartisse un peu mieux mes troupes. J'en mets une ici. Enfin deux ici. Une ici. Voilà, comme ça va être bon. Ok, donc là j'ai résolu ce problème-là. Donc je peux me regrouper. Enfin, vite fait, je reprends la province. Et je me regroupe pour aller débarquer. Du coup, ces troupes-là vont avoir un peu d'expérience au passage. Alors Gonda, ça va passer sans problème. Kushia, j'ai un peu peur, mais je pense que ça va tenir. Ouais, non, ça va tenir largement. Je pourrais même en profiter pour attaquer ici, sur un autre front. Et maintenant, il y a deux unités blindées quand même. Ça rigole pas du côté anglais. Par contre, ils n'ont pas été à Heliport, ils ont abandonné. Ils sont pas déplacés en fait, donc je vais y aller. Ah, celles-là, elles n'arrivent pas à bouger, hein. Ça fait je sais pas combien de fois que je leur donne l'ordre d'y aller. Non, je vais plutôt aller par là. Bon, je vais pas continuer tout de suite. J'attends que mon QG ait bougé. Je vais arrêter la vidéo pour pas la faire trop longue. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Vite fait, je vérifie ça. Ouais, c'est pas désespéré, mais ça va être dur. Allez, je vous laisse, rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.